Vous regardez RTL. Je passerai pas l'hiver. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez, vous? Non, parce que vous dites que vous ne passerez pas l'hiver, vous avez un mal de gorge que vous traînez depuis un moment quand même. C'est vrai, vous avez remarqué. Ou c'est mal soigné, ou il faudrait mettre une petite écharpe. Je dis penser quand même à faire une convention obsèque. C'est agréable, écoutez. Moi, c'est pour vous, hein, c'est pour votre entourage, tout ça, que ça soit prévu. Parce pour mes enfants, vous alliez dire, c'est ça. Le monde va se déchirer l'héritage, il m'a pas laissé de guitare, et blablabli, et oh là là. Mais je joue pas de guitare. Oui, bah, ou un piano, je ne sais pas. C'est vrai, vous n'avez pas d'enfants, on va peut-être hériter, nous, finalement. Regardez la vieille. Je vous dis, je suis d'un naturel optimiste, j'ai quand même... Je pense quand même crever après vous. Parce que Laurent passera pas l'hiver, mais toi, tu passeras peut-être pas l'automne. Non, franchement, écoutez, Monsieur Janssen, éventuellement, pourrait me survivre. Oh là 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 là, et encore. Tu les estimes à quoi, tes gosses? Je ne veux pas d'enfants. Comme leur mère, hôtesse de l'air. Parlons du loto du patrimoine de notre ami Stéphane Bern. Là là. Parmi les tickets que vous pouvez acheter aujourd'hui, à 15 euros le ticket. Cher quand même. Ah, vous trouvez que c'est cher? Un petit peu cher quand même. Surtout s'il si quitte ce truc-là, il va refaire à Kena, ça va me mettre sur la paille. Ah oui, c'est vrai que c'est vous qui lui avez succédé. Oh, la vache. Oui. Oh, là, là, toi, t'es héritière de Stéphane Bern. Oui. Après, c'est moi qui vais prendre le patrimoine, c'est Ikea, tu comprends? Et si on vous met sur les tickets du patrimoine, les gens vont donner, c'est sûr. Parmi les monuments en péril, hein, donc rien à voir avec Chantal, évidemment, qui figure sur les jeux de grattage, il y a une habitation qui se situe dans le quartier résidentiel de la Redoute. Mais de quelle maison, quelle habitation s'agit-il? Dans le Nord, non. La Redoute. Les Trois Suisses. Les Trois Suisses. Eh ben oui, mais la Redoute, c'est pas que dans le Nord. La maison de Pierre Loti. La maison de naissance de Victor Hugo. Non plus. C'est les Dom-Tom. La maison d'Aimé Césaire. Aimé Césaire. La maison d'Aimé Césaire. Excellente réponse de Chantal là-dessous. Eh oui, parce qu'il y a aussi un quartier à Fort-de-France. Excellente initiative pour le patrimoine. Ah, d'accord, vous l'avez déjà. Il ne faut pas que tous nos châteaux deviennent chinois ou qataris. Et donc, c'est bien que les châteaux de France reviennent aux Français. Et si on paye 15 euros pour avoir une petite pierre d'un château, et ben c'est formidable.